Bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes sur le stand SOS Enfants Martyrs. SOS Enfants Martyrs, c'est un sujet grave. Malheureusement, je crois que les gens qui sont témoins de ces vices sur des enfants ont plutôt tendance à se taire, à ne pas, je dirais, jouer les délateurs. Alors quelle est votre action à ce niveau-là? C'est-à-dire comment vous agissez, vous? Alors notre but essentiel est de porter aide et assistance aux enfants qui sont maltraités ou qui subissent des sévices ou abus sexuels. Mais, alors une question, oui. Comment le savez-vous? Est-ce que vous avez des gens qui viennent délibérément vous le dire ou est-ce que c'est éventuellement ce qu'on appelle des lettres anonymes ou des coups de téléphone anonymes? Comment que ça se passe? Nous ne recevons pas de courrier. Les personnes, certaines personnes ont quand même le courage de témoigner en nous téléphonant, puisque nous tenons une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ces gens apportent le témoignage sur ce que subissent les enfants qui vivent ou dans leur famille ou dans leur entourage d'habitat ou à l'école ou ailleurs.